Bonjour chez vous, voici maintenant 9 mois que j'ai débuté le blog Les Chercheurs de Bonheur. Et grâce à vous qui êtes tous les jours de plus en plus nombreux à vous abonner et à échanger, j'ai pu ancrer ma détermination à transmettre. Je vais donc continuer à vous apporter mes réflexions et mes expériences pour que nous construisions ensemble une vie meilleure. Malgré toutes les inventions et les découvertes de l'humain à travers nos siècles d'existence, pour le moment, nous naissons, vieillissons et mourons. C'est le cycle naturel de la vie qui nous procure joie et peine. Mon projet, après ces 9 mois symboliques d'existence, est de faire naître en vous la liberté de vous affranchir le plus possible de vos souffrances et de vous amener au fil du temps à vous réaliser dans votre véritable nature. Pour arriver à cet objectif, nous devons vivre chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de notre vie avec la pleine conscience du moment présent. Nous devons considérer chaque instant de notre vie comme précieux et irremplaçable. Nous devons prendre la pleine mesure de nos actes, en considérer l'importance et comprendre intimement que nous en sommes responsables. Chacun de nos actes, même le plus infime, a un effet papillon sur nos vies, mais également sur celles des autres. Nous créons chaque seconde ce que nous sommes et nous influençons les personnes qui croisent notre chemin. Nos enfants, entre autres, sont le fruit de nos décisions, de nos actes. Ils se construisent sur nos qualités, mais aussi sur nos erreurs. Si nous souhaitons apporter au monde futur notre contribution, nous devons avant tout ouvrir nos consciences, bousculer nos mauvaises habitudes et consacrer un peu plus de temps à l'apprentissage d'une vie heureuse et harmonieuse avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Dans cette année qui va suivre, je vais continuer à vous offrir des vidéos et des articles sur ce thème et vous proposer également des formations sur l'apprentissage et l'approfondissement de la méditation. La méditation étant la base nécessaire à une évolution durable et sincère de votre personnalité. Vous allez apprendre comment vivre le présent en pleine conscience, comment améliorer votre communication avec les autres, comment diminuer l'influence de votre ego et de ce fait prendre les décisions qui vous correspondent vraiment. Et surtout, vous apprendrez à défaire les nœuds de vos vies souvent compliquées afin de les rendre plus simples, plus épanouies et donc plus heureuses. Ceux qui me connaissent savent que j'aime avant tout la simplicité et la liberté dans les rapports humains. C'est donc dans cet esprit que j'ai construit ce projet. Vous avez pu constater que c'est toujours avec bonheur que je transmets et que le sérieux pour moi s'exprime toujours par le sourire. Mon but est de vous transmettre les bons outils et de vous accompagner dans un développement durable de votre personnalité. Je vous remercie de me suivre aussi nombreux. Et si vous souhaitez grossir les rangs de ceux qui pensent comme moi, c'est-à-dire qu'un avenir meilleur se construit déjà par soi-même, alors n'hésitez plus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur la vignette à droite de votre écran ou en vous inscrivant à mon blog christophe-lorette.fr. Bonsoir chez vous, les chercheurs de bonheur.